Que Zoubabel, ce que l'idée dit à Babel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit. Après que serviteur, là fini baptisé, conduit par l'esprit dans le désert, tenté pendant 40, 40 jours, et de retour, il vient annoncer le royaume. Là. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole, côté que nous avons continué à nous, dans Marc, chapitre 1, à nous prier. Seigneur, nous te merci, merci pour le moment ça, nous? que nous avons penché sur parole. Nous prions qu'on va prendre contrôle quelques minutes, ça, qu'on va guider, qu'on va permettre que nous attendions de voir et appliquer parole dans la vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen. Nous lisons dans Marc, chapitre 1er, versets 14 et 15. Il dit Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le message que Jésus-Christ a prêché hein, était très spécifique. Il était dit temps est accompli, le royaume est proche. Donc, le royaume est proche, ça veut dire roi déjà là, roi est déjà sous saine. Il te fait un appel à la repentance, il te lance un appel pour dire que le temps est accompli pour nous capables rentrer dans le royaume. Mais pour que gens rentrer dans le royaume, il faut qu'il fassent la fête. Il faut qu'il choisissent, Il faut qu'il admettent en tant que pécheur que le Pac a continuer dans le chemin pour le tourner, garder, mettre là. Et que Jésus-Christ lui-même lui vient le chemin. Donc, temps accompli, royaume proche vol de face pour nous tourner vers christ et Ensuite, il peut sélectionner les disciples. En d'autres termes, il doit former une équipe pour travailler ça, pour travailler, prêcher. Bonne nouvelle, il doit choisir titulaire. Il peut commencer choisir titulaire dans l'équipe dans verset 16. nous dit, comme il passa, passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon qui jetait un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée, de la barque avec les ouvriers ils le suivirent. Le roi Plimac a l'impression que l'action faites été faite ta une après l'autre, parce que Marc lit juste l'évangile avec un empressement, avec une urgence immédiatement, aussitôt, aussitôt. Jésus reliait des pêcheurs de poissons pour le promouvoir yo, au poste de pêcheurs d'hommes. Donc, si j'ai réalité, Jésus fonctionner, ce n'est pas réalité, pas moi-même avec Jésus n'a pas gardé son aspect physique, il a gardé son cœur, il a gardé qui est capable de faire avec le monde. Le nom appelé Mark, nous sommes capable de penser que c'est la première fois que Simon qu il a rencontré Jésus. Mais non. C'est peut-être la première fois qu'il a rencontré Jésus. Dans l'équipe, c'est la première fois que Jésus-Christ a parlé direct avec lui. Mais il était content de parler de lui déjà. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 40, il dit, André, frère de Simon, Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Qui parole? C'est le Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il était tendil, André et qu'est-ce qui s'est passé André, t'a suivre lui. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous joignons le Messie à Messie à Lila. Maintenant, il dit, pour lui engager, pour engager dans équipe là. Il dit, pour lui dire, que nous fait partie de l'équipe titulaire moyen. Jésus-Christ, tu plus. Que spectateur, ou en tant que acteur. La pêche, c'est tout un art. Peut-être, c'est ça qui fait que Jésus-Christ allait là même pour lui choisir en pile dans le monde que l'on peut mettre dans l'équipe. Parce que pêcheur d'homme avec pêcheur de poisson, il pile de similitude. La pêche lui exige patience. Il exige un reniement de eux-mêmes. Jésus-Christ allait pour le choisir avec Monsieur ça avec patience, talent, pour utiliser le filet, pour joindre les meilleures façons de faire. Et il faut que tu gagnes un discernement dans la pêche. Pour pêcher d'hommes, pour venir pêcher d'homme c'est même pas que la loi fait évangélisation, il faut qu'on fasse ça avec un esprit de discernement. Par la pêche, tu m'as en pile persistance. C'est comme si c'est même thème long suffering, en pile persistance. Il faut quoi essayer, de réussir avec patience. Les thème de tranquillité. En pile tranquillité, il y a quelques situations en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant aux besoins de tranquillité d'esprit. Bon Dieu, utilise chaque serviteur avec trait de caractère ou il reler les disciples ça il va le former il va le façonner mais il va le quitter au servir avec caractère il va le quitter pour utiliser ça que le baille les bagages qui va le corriger c'est sûr même moi même avec ou les reler nous les bagages l'a corriger les bagages l'a pas bon les bagages l'a mando ça l'oblige à changer ça c'est clair parce qu'on connaît ça va pas qu'à faire aucun impact avec elle compte ça d'avance donc l'a changer l'a transformer même je ne dis pas le transformer en pile dans la vie de disciple. Après, ça ne va pas l'utiliser pour gloire. Donc, quel que soit le tempérament, quel que soit gens que vous pensez que vous êtes loin, quel que soit l'expérience drôle que vous avez venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, que Christ-Abdou sa livre livre les choix dans l'équipe. Il a besoin dans équipe. Il lui-même va faire rester. Donc, responsabilité première que vous gagnez, que moins gagnez, c'est pour nous suivre Jésus. Direz-le non suive les Qui s'organise pour quitter, suive-le. Qui s'était bac là, qui s'était filé là, suive-le. Qui bureau de péage là, la, laissez-le, suive-le. Et lui-même, il va faire reste là. qu'on quoi ressemble avec Jésus-Christ T'as qu'on demeurer dans la parole T'as quoi grandir la caille C'est t'as quoi comprendre le royaume là. Jésus souvent relait des, des choses des villes du monde pour confondre les sages. C'est ça que qu'il dit dans la parole. Même tout c'est une question de cœur. Jésus, relo, kounia, venez à moi. Parfaites-tu, venez joigne et, et lui-même, il va baou, repos. Admettre que son pécheur, que Jésus-Christ est venu vivre, mourir et ressusciter dans place pour le baou la vie. Seigneur, nous donne remercions. Merci pour grâce infinie, merci pour bonté ou pour fidélité. Au nom de Jésus, nous t'appuyons ainsi. Amen.